De retour à l'Ecube avec aujourd'hui les premières images du salon lui-même et en particulier du stand Capcom qu'on ira visiter dans quelques instants. Mais tout de suite, retour sur la conférence Sony avec nos envoyés spéciaux Thierry et Pierre-Alexandre. Alors, Sony, ça donnait quoi ? Après quand même la grosse claque de la conférence Nintendo. Alors Sony, ils avaient en gros deux thèmes, c'était la 3D déjà, et puis le PS Move évidemment, parce que c'est tout nouvel gadget. Donc ça a commencé donc avec la 3D, et c'était un trailer, pour commencer on a commencé avec Killzone 3, un trailer en 3D assez joli, assez convaincant, avec quelques scènes de gameplay également, plusieurs même. Et c'est pour classer 18+ aussi, donc on va vite passer. Donc outre Killzone 3, il y aura quelques autres jeux qui ont été lancés en 3D, et notamment GT 5. Alors GT 5 en 3D c'est beau, mais c'est aussi à mon avis pour justifier un petit peu le retard du jeu qui sortira en fin d'année, le 2 novembre aux États-Unis, nous probablement un petit peu plus tard je pense, au Japon ça doit tourner aux alentours de novembre aussi. Il y avait d'autres jeux, notamment une compilation des Sly, je crois, des Sly Raccoon, iPad, Fight, un jeu de baston, et des jeux de sport, donc NBA 2K et MLB. C'était assez impressionnant, c'était joli à voir. On était équipé des lunettes 3D, des petites lunettes pour voir ça. Faudra attendre de jouer vraiment pour voir si la 3D fait son effet. Bon, alors c'est vrai que là on est quand même dans une grande optique cajole avec Kinect Microsoft, ensuite Nintendo qui se démarque avec la 3DS mais en présentant un jeu dessus, c'était surtout ça avec Kid Icarus. Et donc le PlayStation Move chez Sony, est-ce qu'on a des jeux ou est-ce que c'est essentiellement des titres un petit peu cajole type Wii Fit, Wii Sport, etc. Alors il y a quelques titres comme ça, il y a des mini-jeux pas mal avec tir à l'arc, ce genre de choses. Mais ils ont présenté quand même quelques jeux. Donc tout d'abord on a Sorcery, une espèce d'Harry Potter-like. Donc on dirige un petit sorcier avec une baguette. Et on voyait là donc un quelqu'un qui jouait sur scène. Et la reconnaissance avait l'air assez poussée et assez intéressante. Il maniait, on voyait bien les sorts, il pouvait faire en bas, en haut, le sort qui partait se partait bien au niveau... Au niveau de son bras, c'était parfaitement synchrone en tout cas. C'est très intéressant, même si le jeu n'a pas l'air non plus transcendant. En tout cas, c'était une petite démo technique pour montrer que l'objet marche bien, et a priori, ça a l'air de marcher. Quoi d'autre sur le PlayStation Move alors ? Après, on a Tiger Woods. C'est pareil, c'est un jeu étalon. Hein. Ça fonctionne bien avec en mimant un peu le club de golf. Maintenant, bon, est-ce que c'est vraiment très intéressant ? Faudra voir. Donc pour le PlayStation Move, je crois qu'il y avait un autre titre qui était présenté pour la première fois, cette fois-ci, durant la conférence PlayStation. C'était justement une sorte de jeu inspiré par le travail de Nintendo, on va dire. Nintendo aime bien prendre ses personnages issus de différents jeux pour ensuite les marier au sein d'un party game. Ou alors, un petit peu comme Squaresoft a fait avec Kingdom Hearts, prendre deux univers différents et les merger au sein d'un genre particulier, là le RPG. Et là, il semble que Sony ait proposé un jeu d'aventure-action avec des personnages issus un petit peu de leur univers. Tu peux nous dire deux mots dessus ? Ah oui, d'abord, le jeu se nomme Heroes on the Move. Et les personnages connus, c'est donc Ratchet, Clank, il y aura Dexter aussi. Donc oui, on a vu un trailer, donc pas grand-chose. Ça a l'air d'être un jeu d'action avec tous les personnages et donc compatible avec le PS Move. Là aussi, ce sera certainement un jeu qui sera disponible au lancement. Et la date de lancement a été justement communiquée. C'est quoi la date de lancement ? C'est quoi ? Le 15 septembre en Europe. Donc, l'instrument de base coûtera 50$ et le périphérique qui l'accompagne, donc le Nunchuk entre guillemets, ça coûtera 30$. Donc en fait, ça revient à 80$. En fait, 80$, on peut ajouter peut-être des packs avec plus de jeux, etc. Donc ça va coûter bonbon, l'air de rien. Oui. Et d'ailleurs, il y a un pack avec la console qui est prévu, 400$ aux États-Unis, donc probablement la même chose, 400€ en Europe. Toujours sur le PlayStation Move, t'as d'autres titres à présenter ou... Ouais, alors PlayStation Move, il y avait plein de titres, notamment des titres qui sont déjà sortis et qui seront... Il y aura une mise à jour qui permettra une compatibilité avec le PlayStation Move. Donc on a notamment Heavy Rain, alors on verra dans quelle mesure sera compatible. On a également RE5, Resident Evil 5, iPad, NBA 2K, on avait Socom 4, donc après c'est des titres à venir aussi, Time Crisis, Tron Evolution, ça c'est des titres qui vont arriver. Et également Sport Champion, donc là aussi c'est des mini-jeux de sport. Donc Sony, bon, c'est pas seulement la PlayStation, c'est pas seulement le PlayStation Move, c'est aussi la PSP, même si elle a RAM, si elle a quelques difficultés à trouver son public. Je crois que Sony a essayé de relancer un petit peu la machine. Donc oui, ils ont proposé, enfin en tout cas ils ont montré la nouvelle campagne de pub, bon ça c'est un peu spécial. Par contre il y aura un God of War, évidemment, des connus, Ghost of Sparta, et ils ont montré un trailer là aussi assez joli, assez convaincant. Est-ce que ce sera suffisant pour relancer la console ? Quoi d'autre ? Je crois que comme Nintendo avait fait avec l'annonce de tous les partenariats, de tous les éditeurs qui allaient travailler sur la 3DS, là il semblerait que Sony avait également une grosse annonce, genre à ce niveau-là.
Alors oui, il y avait un partenariat avec Electronic Arts, donc ça concernera notamment deux jeux, Medal of Honor et Dead Space 2. Il y aura du contenu exclusif à la PS3 qui sortira avec le jeu. Donc des éditions exclusives, pas du contenu additionnel, des éditions exclusives. Donc avec visiblement un épisode pour Medal of Honor, il y a un épisode supplémentaire carrément, exclusif. Alors, est-ce que la conférence de Sony s'est terminée avec une grosse annonce, un truc qui pète un petit peu, genre un titre qui fait rêver et qui justement crée un petit peu le buzz sur le salon? Alors, il y a eu du FF14 Online, mais je crois que c'était pas super engageant. En tout cas, c'est pour nous, Européens, je pense que ça passera un peu inaperçu. Il y a du Mafia 2 aussi, un trailer, donc le jeu est très attendu, il n'y a pas de souci. Mais la grosse annonce, c'était Portal 2, les premières images de Portal 2, les premières images de gameplay, avec donc le système reprenant le système de portail, comme on avait vu dans le portal initial, et donc dans une espèce de monde, dans la jungle. Donc c'était intéressant, on n'a pas vu grand chose évidemment, mais c'était pour annoncer donc qu'il y aura bien un épisode de Portal avec ce système qui a fait des ravages à l'époque et qui a l'air vraiment 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 intéressant en tout cas. Alors au final, bon, je sais pas ce que t'en penses, moi les conférences qui m'ont le plus impressionné, c'est clairement la conférence Ubisoft et la conférence Nintendo. Même si la conférence Nintendo, il y a eu pas mal de petits bugs et au final le public s'est pas emballé autant que ça, et j'ai également regretté le fait qu'au final on n'ait pas de nouveautés. C'est sans arrêt les mêmes univers, les mêmes personnages qui reviennent. On adore retrouver Donkey Kong Country, c'est pas un souci, la sortie prochaine de Metroid c'est énorme, de retrouver Kirby c'est super sympa, et tous ces jeux en plus sont jouables sur le salon, mais on les connaît tous quoi un petit peu. Donc, mais ça reste quand même une des meilleures confs. Toi qu'est-ce que t'en penses? Quelle conférence t'a impressionné le plus? Alors moi je suis Nintendo sceptique, mais la conférence m'a vraiment convaincu, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, riche en tout cas, et plein de jeux. Par contre, Microsoft et Sony, j'ai trouvé ça un petit peu en dessous, notamment Sony, je pense que c'était décevant en fait, pour dire vrai. Pas d'annonce, pas beaucoup d'annonces de jeux, des confirmations, mais GT5 par exemple, c'est des jeux qu'on attend depuis des plombes, donc pas grand chose de transcendant, et oui, non, Ubisoft a tapé fort aussi. Electronic Arts c'était entre les deux, donc Microsoft ça reste à voir, faudra confirmer, faudra voir ce que donne Kinect. Sans Kinect, on aura l'occasion de revenir dessus, ainsi que sur la 3DS, etc. puisque le salon a ouvert ses portes à l'issue de la conférence Sony, donc c'est parti. Bonjour, nous sommes à l'E3 devant le stand Capcom où, comme vous pouvez le voir, l'attraction c'est Dead Rising 2 avec des zombies qui sont emmenés et enfermés dans une cage derrière. On est rentré dans le stand, on a visité un petit peu, on a joué à pas mal de jeux. Ghost Trick est présenté, également Marvel vs Capcom 3 qui a attiré une foule pas possible de l'autre côté avec des gens qui font la queue pour gagner un t-shirt et simplement essayer le jeu. On a également vu la présentation avec le PlayStation Move de Resident Evil 5 qui marche super bien, et aussi Okamiden qui était jouable et super sympa. Donc quelques titres, pas de grosses nouveautés, mais en tout cas un bon stand et plus d'infos tout de suite. Le gros titre du stand Capcom sur cette EQ 2010, mis à part Dead Rising 2, dont on parlera dans le prochain classé 18 plus spécial E-Cube, c'est incontestablement Marvel vs Capcom 3 Fate of the Two Worlds. L'éditeur japonais a d'ailleurs truffé les alentours du salon d'affiches et de panneaux publicitaires, et il y en avait même sur les bus. Lorsque l'on voit l'enthousiasme des Américains sur le stand, on comprend mieux pourquoi Capcom a mis le paquet sur ce titre. Après Ryu, Morrigan, Chris Redfield, Wolverine, Hulk et Iron Man qui avaient déjà été présentés, d'autres personnages ont été annoncés durant les Cubes. Parmi eux, Dante, Felicia, Captain America et Deadpool. Visuellement magnifique, ce nouveau titre fait honneur à la série en mettant à profit une nouvelle version du MT Framework, le moteur utilisé sur les blockbusters Capcom, Lost Planet 2 et Resident Evil 5. Autant vous dire que ça des potes méchants. Et en plus, ils se permettent quelques gags bien débiles. La classe. Ce nouveau jeu créé par Takumi Shu, le papa de la série Ace Attorney, est décidément surprenant. Ghost Trick Phantom Detective met en scène un jeune défunt dont l'esprit reste étonnamment actif malgré sa perte de mémoire, puisqu'il s'avère capable d'influer sur les objets inertes et donc d'agir sur le monde des vivants. Ce qui tombe plutôt bien vu qu'il a définitivement l'intention de savoir qui l'a tué et pourquoi. En fait, il peut posséder les objets et se déplacer de l'un à l'autre, une manière originale de mener l'enquête. Avec ses graphismes étranges mais élégants, Ghost Trick est un jeu d'aventure puzzle enquête des plus originales. On pouvait aussi essayer Bionic Commando Rearm 2. La grande première de cet épisode est une nouvelle capacité pour le joueur, la possibilité de sauter.
Et oui, dans la saga Bionic Commando, il n'a jamais été possible de sauter, il fallait utiliser le bras bionique. Cet ajout est audacieux car il remet tout le gameplay en cause. Mais il semble que ce soit une réussite. On en saura bientôt plus, même si le jeu est prévu pour 2011. Bionic Commando rearmed you. Nous avons pu enfin jouer à Okamiden, la suite version Lufto de Okami. Et sans présenter une 3D aussi impressionnante que celle d'un Dragon Quest 9, Okamiden a su très bien tirer parti des capacités de la DS. Ce jeu met en scène un bébé loup, Chibi-Telasu, qui vient ainsi remplacer Amaterasu. Ce dernier pourra être accompagné de divers personnages aux capacités différentes. Le stylet se prête bien sûr à merveille au pouvoir Canva and Brush, qui permet de friser l'écran de jeu durant quelques instants pour découper ses ennemis d'un trait ou de modifier son environnement pour réparer un pont par exemple en dessinant la partie manquante. L'influence de Zelda semble toujours aussi importante avec l'acquisition de nouveaux pouvoirs et un gros focus sur l'exploration. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain dans 101% pour encore plus de Music Cube. Salut les noobs, salut les noobettes, salut Benoît, c'est Notchan. Hey, merci pour le t-shirt, c'est trop cool. C'est l'un de ceux que m'ont offert les téléspectateurs. Je suis tellement content qu'on va mettre son pseudo dans le générique de fin. Sinon, vous savez quoi? C'est l'avant-dernière émission de Notchan avant les vacances. Ou l'avant-dernière tout court, je ne sais pas encore. En même temps, vu les scores d'audience absolument honteux que fait l'émission, je ne sais pas si la direction va me reconduire à la rentrée ou à la porte. En attendant, c'est parti pour les news attaques de la semaine. L'application iPhone RIP Mosatsu a été retirée de l'Apple Store en février dernier, après avoir été en vente depuis décembre. Cette application permettait de déchirer virtuellement les habits sur des photos de starlettes japonaises comme Megumi Oholi. Officiellement, cela est dû à un changement dans le règlement d'hébergement des applications. Pour moi, c'est pas trop grave, vu que je l'avais déjà téléchargé. On continue dans la news sexy. Mai Shiranui, vous connaissez bien sûr, mais si, la combattante de KOF avec les éventails, et surtout des formes... de bien belles formes... Eh bien, une figurine mettant en avant cette anatomie si particulière sera mise en vente en décembre de cette année. Oui, ça attire l'œil, mais attention, son prix aussi mérite le coup d'œil. 24 800 yens, soit environ 230 euros. Deux fois moins cher, mais 100 fois plus fun, voici le Jibun Damashi, qui est un peu le pinacle du narcissisme. En fait, les Japonais avaient eu l'occasion en début d'année d'incarner Charles Nebel en figurine. En envoyant une photo de son visage, celle-ci était reproduite sur une figurine personnalisée, pour le coup en fait assez raisonnable de 13 000 yens. Les commandes limitées ont évidemment été très vite remplies, et les figurines ont été livrées en avril. Y a-t-il besoin de prouver encore que les Japonais sont les maîtres dans les figurines de mecha? La nouvelle ligne de Bandai et Formania est là pour nous rappeler que nous ne sommes que de pauvres mortels. Pour l'instant, il ne s'agit que de bustes de mecha de Gundam, ultra détaillés, reprenant bielle, engrenage, cockpit qui s'ouvre, etc. Le modèle Sazabi sera dispo en septembre pour un peu moins de 19 000 yens, et il y a déjà un premier modèle de dispo, le V-Gundam, pour un peu moins cher. Et histoire de s'achever en beauté, on peut aussi jeter un œil sur la collection Composite Verka, qui propose des figurines toujours aussi soignées du Lancelot Albion de Code Geass, et bientôt de Gulen Lagan avec son fameux Giga Drill Breaker. Et là, tout le monde se demande, mais où pourra-t-on se procurer ces merveilleuses figurines? Eh bien, on pourra déjà aller faire un tour sur BandaiCollector.fr, le site officiel de Bandai en ligne qui permet l'acquisition directement à la source de tous ces merveilleux joujoux. Voilà, c'était Notchan. Pas de mot de la semaine, non, pas le temps. Mais si vous êtes sage, je vous parlerai des Dakimakura la semaine prochaine. A plus! Et des jeux qui fleurent bon l'arcade rétro alors même qu'ils ne sont sortis de l'esprit de leur concepteur qu'il y a peu, et Joe Danger en fait partie. Disponible depuis le 9 juin sur le PlayStation Store, ce jeu est la première production du tout jeune studio Hello Games, fondé il y a un an par 4 amis ayant déjà roulé leur boss chez divers développeurs comme Criterion ou EA. Si ce ne sont pas de petits nouveaux dans le paysage vidéoludique, il n'en reste pas moins que Joe Danger est leur premier projet indépendant.
quel est donc le résultat de cette première expérience ? Joe est un cascadeur, un casse-cou, un vrai, à un point tel même qu'il en vient à s'essayer au saut le plus long et le plus dangereux jamais tenté de mémoire de tête brûlée, franchir à l'aide de sa fidèle moto un alignement de 24 bus. Mais s'il entre dans la légende grâce à cet exploit, un saut d'une telle longueur n'est pas sans conséquence pour le pauvre Joe. La violence de l'atterrissage le prive de l'usage de ses jambes et les médecins pronostiquent qu'il ne pourra plus jamais marcher. C'était mal le connaître. Des années plus tard, le revoilà sur le devant de la scène. Cependant, cette longue période d'inactivité a quelque peu émoussé ses capacités. Pourrez-vous l'aider à redevenir le cascadeur numéro 1 ? Le jeu propose de prendre en main la carrière de Joe ou de se tirer la bourre avec un second joueur en local sur des circuits préparés par les développeurs ou que vous avez préalablement créés vous-même. Le mode carrière, tout d'abord, permet de redonner au blason de Joe son éclat d'antan via une série d'épreuves comportant chacune plusieurs défis à relever comme par exemple collecter toutes les mini-étoiles du tracé, enchaîner les figures dans un combo durant tout le circuit, atteindre la ligne d'arrivée dans un temps limité, récolter les lettres composant le mot « danger », ou bien encore des combinaisons de plusieurs des objectifs précédemment cités à réaliser simultanément. Le jeu vous laisse une totale liberté quant au choix des défis à accomplir sur chaque piste. Libre à vous de consacrer un run à la collecte de mini-étoiles, un autre à la vitesse pure, etc. Il suffit dans la plupart des cas d'atteindre la ligne d'arrivée pour débloquer la piste suivante. Mais certaines d'entre elles nécessitent de dépenser un certain nombre d'étoiles obtenues en réussissant des défis afin de pouvoir y accéder. Le maniement de Joe se révèle assez simple. Il est possible d'accélérer, de freiner et reculer, de s'aplatir sur la moto en appuyant sur une touche et de faire un petit bond en la relâchant, et de déclencher un boost pendant un temps limité lorsque la barre correspondante est entièrement remplie. Cette barre de boost est copieusement alimentée par chaque figure réussie, ce qui permet de le déclencher très souvent lorsque l'on enchaîne des cascades dans un long combo. Petite devinette, Excite Bike et Trials HD ont un fils. Comment s'appelle-t-il ? Et oui, c'est sans conteste la première impression qu'on a du jeu lorsqu'on s'y essaye. D'Excite Bike, on retrouve l'aspect time trial et recherche de vitesse lors des courses contre la team Nasty, les éternels rivaux de Joe. Et de Trials HD, on reconnaît les obstacles surréalistes et la gestion de la physique de la moto, même si la physique en question est ici bien plus... fantaisiste. Il ne sera en effet pas rare de se réceptionner d'un quadruple salto sans les mains sur les épaules pour rebondir et continuer sa route comme si de rien n'était. Il est également possible de freiner, voire de reculer en plein saut si l'on en a envie. Joe Danger est donc instantanément fun et on s'amuse comme un petit fou en découvrant le maniement de la moto et en récoltant les premières étoiles. Seulement voilà, une fois passées les premières heures de jeu, le soft souffre d'une certaine répétitivité dans ses mouvements, ses défis, sa musique. Ah, sa musique, oui, sa musique. Car vous serez forcé d'écouter sans relâche la même mélodie. Toujours, sur chaque tracé. Et même si elle est rigolote et entraînante au début, vous aurez vite envie de mettre le volume à zéro, sauf si vous avez des nerfs d'acier et que vous avez passé les 10 premières années à suivre l'entraînement d'un maître zen. S'il n'est malheureusement pas possible de remédier au manque de variété des environnements, vous pourrez, sous réserve que vous vous sentiez l'âme d'un game designer, réaliser vos propres parcours grâce au bac à sable, un éditeur de niveau assez complet. Celui-ci vous permet de modifier le tracé en temps réel tout en le parcourant et d'ajouter la plupart des objets présents dans le jeu afin de modeler une épreuve à votre convenance. Vous pourrez ensuite, si vous le désirez, uploader vos créations sur le PSN. Cependant, ces niveaux ne seront accessibles qu'à vos amis et non à l'ensemble de la communauté comme c'est le cas avec Little Big Planet ou Mod Nation Racers par exemple, ce qui pourrait possiblement nuire à l'intérêt à long terme de ce mode. Le mode multi, lui, se joue uniquement offline. Vous pourrez y défier un ami dans des courses en 1 contre 1, rappelant violemment, c'est le cas de le dire, celle de Sonic 2 à la grande époque de la Mega Drive. Écran splitté écrasé, framerate art critique, scintillement, etc. En un mot commençant, ça pique. Pour finir, ce Joe Danger n'est pas un mauvais jeu, loin de là. Beaucoup prendront sans aucun doute grand plaisir à faire évoluer Joe sur les pistes proposées et pourront laisser libre cours à leur créativité grâce à l'éditeur de niveau intégré. Les autres, par contre, s'amuseront quelques heures puis passeront à autre chose. Premier essai pas tout à fait transformé pour Hello Games donc, mais ce Joe Danger donne tout de même envie de découvrir les productions suivantes et, espérons-le, plus abouties du studio.
学校5年の時にですね、ファイナルファンタジー2というゲームを買いまして、これお小遣い貯めて買ったんですかね。これがまあ非常に思い出の一本なんですけども、最初にですね、ゴードンだっけな、逃げてきた王子様がなんかレジスタンスなんかにかくまわれて、町かなんかにいると、でそれに会ってこいみたいな最初の、ミッションがあって、で、当時小学校5年生でしたから とりあえず助けに行くんですけども、その町にはキャプテンという敵が溢れてるんですね。で反射けると戦闘が始まって、うちは弱いから負けてしまうと。でただゴードンどこにいるかわからないと、ゴードンだとちょっと名前が違うかもしれませんけどね、でわかんなくて、結局ですね、どうしたかっていうと、そのキャプテンを倒せるぐらいまでですね、全員レベルアップしようとということで1年間延々レベルアップ続けてきて、2年ぐらいレベルアップしたんですかね、でして、結局全員のパワーレベルアップが上がった状態でそのキャプテンを倒して、全員殺し尽くした挙句話に行ってみたら、実は抜け道があって脇からあっさりいけたと。だ攻略本とか全然買うお金なかったんで、ファミツも買ってませんでしたから、当時は雑誌とかも。だからこう1年かけてですね、そのなんか王子様かなんだかを助けるためだけにレベルアップしたという思い出の一本がありますね。結局これクリアしたのがですね、クリアしたのが小学校卒業して中学校2年生の夏かなんかに初めてクリアして、4年間かけてですね、ファイナルファンタジー2を遊び尽くした記憶があります。これは非常に思い出の一本ですね。Ce soir, on continue notre présentation des artistes qui joueront à Japan Expo. D'ailleurs, récemment, deux nouveaux artistes viennent d'être annoncés, mais ceux-ci ne se produiront pas sur la scène du JE Lighthouse, mais sur la scène principale, et cela durant seulement 15 minutes. Ça sent un peu la prestation bonus, donc ces artistes seront présentés dans une nouvelle rubrique qui s'appellera tout simplement Bonus Stage et auront droit à une présentation express. Et bien sûr, en fin d'émission, vous verrez un nouveau My Boom tourner à Epita, et on va commencer tout de suite avec un groupe diabolique. On commence les présentations avec un groupe légendaire, Seikimatsu. Un groupe à prendre au second degré, mais quand je vous dis qu'il est légendaire, c'est très sérieux. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps encore, Suzuka me disait qu'il était hyper populaire quand elle était plus jeune. Créé dans les années 80, ce groupe est tout un concept. Le diable, ou plutôt Akuma, comme dit sur leur MySpace, est venu sur Terre répandre le chaos et faire sombrer les humains dans la souffrance. Mais Seikimatsu est arrivé et a trouvé que c'était vraiment plus malin de se servir des humains pour en faire leurs disciples. Ils vont tout d'abord se servir de la musique comme moyen de propagation. Ils propagent donc ainsi les chapitres de leur doctrine, ce qui en langage humain correspond au single. Mais aussi les écritures ou bien les écrits de leur doctrine, que nous connaissons comme des albums. Et enfin, les archives visuelles de leur doctrine, qui sont donc leurs vidéoclips. Ainsi, ils augmentent le nombre de leurs disciples, plus communément appelés fans, par les humains que nous sommes. N'oublions pas leurs rituels, qui sont en fait des concerts dans lesquels des gens de tout âge viennent prendre part. Leur première mission sur Terre s'était terminée en 99, mais pour fêter leurs 20 ans de carrière depuis leur début sur Terre, ils se réunissent à nouveau pour 6 mois. En 2009, pour commémorer le 10e anniversaire de la fin de leur première mission, ils ont ressorti un nouvel écrit de leur doctrine, Akuma Nativity Song of the Sword. Ces écrits sont d'ailleurs en anglais, et pour le 25e anniversaire de leur début sur Terre, ils ont décidé d'effectuer de nombreux rituels diaboliques dans divers pays, dont la France. Ils seront à Japan Expo au JE Lighthouse le dimanche 4 juillet à 17h30 et en dédicace à 13h30 le même jour en salle de dédicace numéro 1. Mais est-ce qu'ils signent avec leur sang ? Je demande à voir.
me. On continue avec le groupe Longshot Party, dont on avait déjà un clip qui tournait sur nos lives il y a quelques temps. C'est du pop-rock très sympathique et vous allez mieux les connaître dans quelques instants. Créés en 98, ils sont 6. Nous avons tout d'abord Sasaji, le chanteur, ensuite Kei Iikawa, le trompettiste, il y a aussi Keiji, qui s'occupe du saxophone, Hidekazu, qui est guitariste, Saitaro, le bassiste, et enfin, Pon, batteur et percussionniste. Après une longue période indé qui aura duré presque 10 ans et durant laquelle ils auront cumulé de nombreux lives à leur actif, ils arrivent à se faire remarquer par un gros label. Évidemment, leur succès dans leurs concerts a beaucoup aidé, ainsi que le bouche à oreille. C'est en 2007 qu'ils signent chez Death Star Records avec leur premier single en major, Distance, qui en plus a la chance d'être un générique de l'anime à succès, Naruto Shippuden. Sur nos lives, vous les avez connus avec leur troisième single, Anohi Time Machine, qui est le générique de l'anime Zoku Natsume Yujincho. En juillet, ils sortiront leur premier album en major appelé Longshot Party. Mais en juillet, ils seront surtout aussi à Japan Expo au JE Lifehouse pour faire la fête avec vous tous le samedi 3 juillet à 16h30 et en dédicace le même jour à 15h en salle de dédicace 3B. Bonjour! Bonjour, minasama! Longshot Party desu! Et Longshot Party wa Naruto Shippuden no opening theme Distance wo utatteimasu. ジャパンエキスポ2010では、もちろんこのディスタンスも演奏します、ぜひパリでお会いしましょう。ロングショットパーティーでした。バイバイ。On termine les présentations de cette émission avec le groupe Lootosum. Et vous verrez donc, en fait, le nom du groupe s'écrit avec la racine mathématique. Moi, je ne sais même pas comment on peut l'expliquer en français. Mais en anglais, ça se dit root. Donc en japonais, c'est Lootosum. Un groupe électro avec un côté très joyeux, très gai, en partie dû à la peluche géante Jappy qui les accompagne. Ce dernier est d'ailleurs un des membres du groupe, c'est le batteur. Mais il rend aussi le Japon heureux. Et par extension, il rend heureux tout le monde. Car en fait, Jappy vient du mot Japan et du mot happy. Ensuite, il y a aussi Lio, l'utilisatrice de vocodeur et joueuse de piano numérique. Après, il y a aussi Benjamin Akai, l'utilisateur de bass synthesizer. Et enfin, il y a Sujin, qui s'occupe de la guitare et du synthé. En 2007, Lootosum participe à un concours de synthesizer performance et remportera le plus grand prix qui lui sera remis par deux personnes extrêmement reconnues dans le milieu. Tout d'abord, Matsutake Hideki, membre des Wayemo, Wayemo étant le célèbre groupe électro-pop dont Sakamoto Ryuichi faisait partie, et de la part de Mukai Yaminoru, membre du groupe de fusion jazz Cassiopeia. En 2008, leur single Autumn Love arrive à atteindre le top 10 du classement électro de l'iTunes Store. Pendant ce temps, ils donneront de nombreux concerts comme le Countdown au Zeb d'Osaka ou encore au Tech Rock. En décembre 2009, ils sortent leur premier album Kotong. Ils ont ensuite enchaîné avec une tournée nationale et c'est maintenant en France qu'ils viennent se produire. Si vous êtes fan de sons très synthétiques qui rappellent beaucoup Perfume, Capsule ou encore Wayemo, venez voir Lootosum, quand je vous dis que c'est dur à dire, en concert le samedi 3 juillet à Japan Expo au JE Lifehouse à 14h. Ils seront ensuite en dédicace à 15h30 en salle de dédicace 5. キーボードのリオです。ギターのスージでーす。ドラムのシマールでーす。ルートサムの音楽はシンセサイザーをいっぱい使ったテクノの音楽です。1月にパリでライブをするのでぜひ遊びに来てください。待ってまーす。果てしなく遠い明日へ。On entame donc la nouvelle rubrique, la première à être présentée dans ce bonus stage, et la chanteuse française la plus connue au Japon, la plus appréciée des Japonais. Tous ceux qui ont vu le Toku Café de Suzuka savent déjà de qui il s'agit. Oui, la chanteuse Clémentine. Elle a débuté sa carrière en France dans les années 80 et avec sa voix douce, elle interprète des mélodies très jazzy et bossa nova. Dès 90, elle signe un contrat avec Sony Music Japan et va enchaîner les singles et les albums, sans oublier qu'elle va tout au long de sa carrière changer de label plusieurs fois, mais en 2008, elle retourne sous le label Sony. Elle devrait normalement chanter sur la scène principale de Japan Expo le dimanche 4 juillet à 15h45 et reprendre de nombreux génériques d'animés en version bossa nova. Et j'ai hâte de voir ça. On passe au maïboum de celui que beaucoup connaissent grâce à la série Flanders Company, puisqu'en fait il s'agit de Gladys, la petite sœur de Cindy, et son maïboum est...
Bon, My Boom, c'est Uplish Spice, Kanojo. Donc c'est une chanson qui me touche particulièrement, déjà parce qu'elle est agréable à écouter. Et aussi les paroles sont super intéressantes et vous pouvez la regarder, regarder ça sur nos lives parce que les paroles sont traduites. Donc si vous parlez pas japonais, vous pourrez vous rendre compte par vous-même que c'est une super chanson. Fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, on commence avec une belle nouveauté, Scarsborough avec Bad Spring Symphony. Il y aura également Zumudusu avec Yoru Otsunaide, un nouveau clip de Aira Mitsuki, China Discotica, un clip qui fait très police-six dans l'ambiance. Il y aura également Takekawa Ai avec le clip Toi Michi no Sakidei, qui est un générique, un ending, si je ne me trompe pas, de la série Inuyasha. Takekawa Ai qui sera à Japan Expo au JE Lifehouse. Il y aura également le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura Asoo Natsuko, que beaucoup appellent la petite Nachan. C'est vrai que c'est mignon, Nachan. Je l'appelle comme ça aussi. Nachan, avec son clip Everyday Sunshine, qui est son dernier clip sorti il n'y a pas si longtemps donc, puisque c'est le dernier, et je l'aime beaucoup. Il y a des ballons, il y a du soleil, il est très gay, et elle est très mignonne dedans, donc voilà, votez pour le J-Top et surtout allez la voir à Japan Expo, ça lui fera très plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres artistes à présenter. Bye. Allons enfants de la patrie. Ouais, et puis je chante mal. Ah merde. Le jour de gloire est à au revoir arrivé.